Et bonjour à tous les petits chatons, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous pour vous présenter cette petite pépite. J'ai dégoté ça sur les internets, je me baladais, j'ai vu la liste du numéro 1 sur le serveur Asie-Pacifique. C'est un Islander Chevalier de la Muerte. Alors, c'est un deck contrôle bien curvé avec T1, T2, T3, T4. On va jouer sur les écoles de magie, on va jouer... alors, c'est un tourisme, hein, chaman et Chevalier de la Mort. On va évidemment gagner avec Reno, avec Ziliax, avec Yogg, avec Prima, Marin. Enfin voilà, l'idée c'est d'arriver dans le late game et de gagner avec des grosses cartes. Et puis même, il y a, en fait, c'est un deck où il n'y a que des bonnes cartes. C'est finalement les nouveaux... En fait, ce genre de deck, c'est un peu les nouveaux guerriers contrôle. Finalement, ce sont les decks contrôle vraiment version 2.0 parce qu'ils ont vraiment la possibilité de gagner très vite. En fait, T5, T6, avec ce deck, on peut gagner. Quand je dis gagner, c'est pas faire exploser l'adversaire. Mais par exemple, vous faites pièce vedette ou vedette T6. Et en fait, ça met un board tellement fort que, par exemple, contre un aggro, contre un deck tempo... Bah, si vous avez un petit peu géré avant, et ce deck-là a vraiment beaucoup de possibilités de gérer finalement, avec tous ces petits T1, T2 qui sont des cartes à la fois prise de board, à la fois gestion de board, puis gestion de value tout simplement. Dans le TC, parfois j'oublie d'expliquer ce qu'il y a dans le TC, il y a la ficelle, évidemment, carte incroyable. Il y a le rat contre les contrôles et il y a la vipère bah, contre par exemple Paladin, ça peut être sympa, Paladin and buff. Et sinon, puis voilà, c'est un deck vraiment cool, franchement hyper agréable, vraiment très, très puissant, évidemment, top 1 légende. Et puis le joueur, je crois que c'est un joueur chinois qui jouait le deck, il a fait, enfin il a commencé top 200 pour finir top 1. Donc gros, gros, gros volume de game. Et puis vraiment, c'est un plaisir, toutes les games vont être différentes. J'espère que je vous avais présenté une liste un peu similaire il y a quelques semaines, mais cette version-là, c'est vraiment la version la plus optimisée. Je vous invite à la jouer, vraiment, vous allez prendre votre pied. Et sur ce, bon visionnage. Et c'est parti contre un chaman, chaman aggro ou chaman plutôt mid-range contrôle. Bon, ce que nous, on va chercher à faire dans tous les cas, c'est de curver. Ça va nous permettre d'aller vers le mid, d'aller vers le late game. Et c'est là où on va être vraiment très très fort avec notre Reno, avec notre Yogg, notre Prima, Marin, etc. Je vais garder... Alors, j'ai pas la pièce, donc on cherche pas la merde dans le mulligan. Ça, c'est un peu la règle d'or avec tous les match-ups. Donc, bon, de toute façon, ça, on va toujours le garder. Et l'idée, c'est d'arriver à faire T1, T2, T3, T4. Et puis voilà, ça va nous permettre, évidemment, d'avoir une curve défensive contre les aggros. Contre les contrôles, ça va permettre de grignoter. Parce que finalement, on n'a pas d'OTK dans le deck. C'est un deck contrôle qui a vocation quand même à grignoter l'adversaire, à blesser l'adversaire avec les créatures qu'on va jouer un peu à chaque tour. Avec Elia, par exemple. Bon, ça a priori c'est pas un aggro, en tout cas le fait de pas piécer un T2 tour 1, ça veut dire que c'est pas un aggro normalement. Je dis normalement, mais... Bon, c'est peut-être un Islander. C'est peut-être une version Islander. On a une main qui est catastrophique. Enfin, non. Je vais face, non? De toute façon la 2-2 elle va aller là-dedans. Je pense qu'il va toujours faire ça. On fait pas un trade si on considère que l'adversaire va le faire. Voilà, ça c'est un peu une règle d'or aussi. Plein de règles d'or. On cherche pas la merde quand on fait un mulligan et quand on n'a pas la pièce. Si l'adversaire est censé faire un trade, on ne le fait pas pour lui. Sinon on perd les dégâts de la créature. Oh le vilain. Bon. On fait la ficelle. Ficelle, c'est pas mal. Après, il y a Elia qui est cool. La question, c'est est-ce que ça, c'est dangereux? Plus 2, plus 2. Ça va rebooster plus 2, plus 2. En vrai, je crois que je vais Elia. Hein. Je me dis, j'ai pas peur de ça. Hein. Il y a un monde où il le trade. En fait, je faisais ghoul, ficelle, je tradais. Enfin voilà, même sans trade, en vrai, à la fin de tour, tout. Ok. Donc c'est une version aggro quand même. Hein. Aggro. Mais c'est rigolo, il a pas eu de T1. Peut-être qu'il avait pas envie de faire sa T1. Ok. Ah. Ça peut permettre de gagner un tour. Attendez, je vais déjà faire ça. Ah. Est-ce qu'on développe ça et on lui dit. Non, parce que là on peut prendre une furie sanguinaire quand même qui tape.
Écoutez, je fais juste pensionnaire, je crois. En fait, je veux vraiment décaler mon AOE. Puis là, de toute façon, ça avait pas de sens parce qu'il y avait ça. Mais là, c'est, ça, c'est vraiment... c'est très très chiant pour l'adversaire. C'est atroce, ce truc. Ok, magnifique. Oh, waouh, il a eu des bonnes créas. Est-ce que la ficelle, elle fait un truc? Elle fait 2... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, pas lui. Ah, quoique si. Ça, c'est sympa aussi. Hein. Bon, ça marche pas avec ce que j'ai en main, mais... Mais je rase son board, là, hein, si je dis pas de bêtises. Si je fais 5, là. 1, 2. Ça fait 1, 2, 3. La mort réclame son... Ah non, faut d'abord faire 1. Ça fait 1, 2. Je n'ai que peu de temps. Oui, ça marche. Ok, bon, fallait quand même un peu se casser la tête. Ça paraît évident à la toute fin, mais pas au début. Ok. C'est un jeu de réflexion. Hein. Il y a, je pense qu'il y a des joueurs là qui se disent « Bon, j'ai perdu. » Alors que non. On a sûrement même gagné, en fait. Même si notre main, elle est catastrophique, mais... Enfin, notre sortie est catastrophique. Quoique. Non, pas si cata que ça. Ça, c'est gourmand. Est-ce qu'on lui vole une 4-5? Est-ce qu'on met un board qui est pas un très gros board? Marin, c'est risqué. J'ai quand même un enchaînement assez strong. J'aime bien l'idée de ça. Je reprends le board en fait. Ça me gagne du temps. De toute façon, lui, c'est un deck qui est fort. Ça, c'est cool. C'est un deck qui est fort en... Quand il a justement un board plein. Bon, j'ai pris un risque quand même à lui laissant cette vague de nostalgie, mais j'étais tellement confiant avec mon AOE. Mais j'ai eu raison hein, d'ailleurs, hein, parce que il a vraiment chaté sa vague de nostalgie et pourtant. Ok. Ça, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Prima, ah bah si, on peut aller chercher. Bon, j'aurais pu dans tous les cas. Hein. Au pire, c'était pas la fin du monde. Vestige de la vie. Allez donc chercher de l'aide. Bah écoutez, on a gagné, mais je pense qu'on a gagné dans tous les cas sur notre tourbillon. Hyper intéressante cette gamme. Hein. Vous voyez le côté très contrôle, très assez magnifique. Hein. Et en même temps, il y a une curve super basse. C'est vraiment... En fait, c'est génial comme deck. C'est hyper, hyper bien équilibré. Ce qui explique que le top 1, hein, le gars, il a fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de games. Hein. Plus d'une centaine. Hein. Parce qu'il a commencé top 200. Il a fait de top 200 à top 1. C'est pas comme s'il était genre top 5 et qu'il a fait une belle série de 10 victoires pour le top 1. Quoi. Vraiment, il a enchaîné un gros, gros volume. Et quand t'enchaînes un gros volume comme ça et que t'arrives top 1, c'est que t'as un deck méga équilibré. On peut faire la bagarre avec Yogg. Non, on va juste faire ça. Hein. Ça nous fait des cadavres. On va pas les utiliser, mais... Gigaleron, bon, ça enchaîne quand même. Hein. On peut faire la bagarre. Non. Oui, on peut. Non, ça ferait ça, ça, ça... Ouais. Si, on va faire la bagarre. On va quand même garder notre Reno, je pense. Ah non, mais attendez, on peut prendre le contrôle. Non, mais non, on va faire la bagarre. La bagarre, ça rase le board. Bah, ça peut laisser une 1-1, mais c'est pas bien grave.
Ouais, bon. Bon. C'est le but d'un Yogg, hein, c'est de raser le board. Il a rasé le board. il a fait son taf. Ok. Là, par contre, on peut réno, je pense. Vous voyez, ça enchaîne vraiment bien quand même. Un double 8-8 à chaque fois. Bam, bam, bam. C'est... Bon, après, on... voilà, ce chaman, il est extrêmement puissant. C'est un deck top méta, indéniablement. J'en ai pas mal croisé d'ailleurs ce matin. Oh, en dehors de la vidéo. Mais on a un bon match-up. Ah, ça nous a pris de la surcharge vu qu'on a joué le sort. Hein, j'avais pas prévu ça. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais. C'est un peu chiant quand même. Hein. Voilà, faut quand même éviter les malentendus. La mort réclame son dû. Je n'ai que peu de temps. Ah, c'est bien ça. Bon, je pense que dans tous les cas, il nous tuait pas. Mais. Faut quand même faire gaffe. Au pire, j'aurais juste gelé la tête. Genre. Ou alors même dans une 8-8. Ah non, c'est bizarre dans une 8-8. Quoique. Ça en bloque une. Non, je pense qu'il fallait juste aller dans la tête si jamais il y avait une arme ou une connerie. Voilà, c'est mieux en fait, même presque. Parce que ça décale Reno. Franchement, chaque tour, il a mis un board menaçant de létal. Hein. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, vraiment, c'est super stable hein, comme deck. Après, je l'avais déjà, cette version-là, je l'ai déjà présentée hein, sur YouTube. Vous pouvez la retrouver. Mais c'est un deck super. Bon, le bon vieux Reno hein, qui fait la win. Hein. Enfin bon, y a pas, c'est pas lui qui fait la win. Mais là, si j'ai pas Reno, je suis obligé de bricoler des petits... Je pense que je la gagne toujours cette game. C'est juste que là, Reno, c'est ça met fin à la partie quoi. Mais vraiment foncez avec ce deck. Enfin foncez, ne jouez pas aggro, mais vraiment essayez-le quoi. C'est un deck qui est tellement agréable. Les decks comme ça, contrôle, ça fait longtemps qu'ils n'arrivent plus à faire top 1. Souvent, il y a des versions, il y a des combos dedans, ou alors c'est des mid-range un peu tempo, ou des aggro. Parce que finalement, avant, les guerriers contrôle... Enfin, justement, vous voyez le lapsus. Avant, les decks contrôle, c'était des guerriers. Et c'est vrai que le guerrier contrôle, il arrive plus à top 1. Il y avait des prêtres contrôle aussi qui n'arrivent plus à top 1. Maintenant, c'est des versions bah, au combo, en fait. Enfin, du moins, avec beaucoup de synergie. Célébrons un nouveau départ. Mage. Mage, mage, mage. Mage, c'est pas aggro. Est-ce que je garde pas le bouton en main? Je pense que si, c'est trop fort. Après, j'ai quand même envie... d'avoir une curve basse à base de créatures. Donc. Pas ça, quoi. Mais bon. Comme ça. C'est quand même une grosse partie du deck. Hein. Plus de la moitié, hein, l'été 1, l'été 2. Enfin, la moitié. Faudrait compter, mais... C'est compliqué de compter, quand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Quoi qu'au Radel Royal, on le fait pas T1. Enfin, T2. Donc, je suis en train de nito. Je pense qu'il faut piécer. Non, faut juste faire ça. On va pas piécer. Parce qu'on aurait peut-être envie de prima T7. Vous avez rempli le formulaire. Le jeu, il est fatigué un peu. Hein. C'est rare qu'il fatigue comme ça, en game. Enfin, du moins en game Hearthstone. D'habitude, c'est sur... D'habitude, c'est sur BG qu'il fatigue. Sur Hearthstone, c'est très 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 rare que j'ai des bugs. Voire pas, en fait. Enfin, à part là, mais... Mais ce matin, j'ai déjà eu un autre bug comme ça.
Faut juste pas perdre le tour, sinon on a perdu. Enfin, quoique. En vrai, notre tour, il était. Si c'était quand même une 3-3 et. Bon, logiquement, on perd pas le tour. Hein. Les tours sont longs quand même dans ce jeu. Peut-être ça, non? Mais ça, c'est moins cher. Ça se curve mieux. C'est bizarre, hein, de dire ça, mais je crois que je préfère rentrer la T3 parce que lui, il se curve mieux à 2 mana. Je peux le rentrer en plus d'une carte, vous voyez. Là, c'est un peu... Ouais, bon. Est-ce que c'est... Ok, ok. Est-ce que t'essayes, il y a un truc à faire. Je... pense... Ouais, on va prendre le tourbillon. Les tsunamis, je peux les faire tomber avec la ficelle, hein, franchement. Après, c'est que des 3-6, mais il y a un 3-6 qui va taper dans la 4-4, possiblement. Ouais, j'aime bien l'idée. Sachant que je peux aussi curver la peste en plus. Là, l'idée, c'est juste d'avoir une AOE. Après, le problème des tsunamis, c'est que ça te rentre quand même des dégâts dans le visage. Mais bon, peut-être que je peux jouer lui avant. Mais vous voyez, là, on est content d'avoir ça avec lui, par exemple. 8-8, bon. C'est chiant. C'est chiant, mais... Oh, pas de mais, c'est juste chiant. Plus 1. Ça. Autant faire pouvoir. Il y a un monde au prochain tour. Il y a un monde où au prochain tour il met pas de board. Et s'il met pas de board, on voudra faire vedette. Donc on va activer le feu. Comme ça, s'il met pas de board, nous on en met. Ou du moins, s'il met pas un board menaçant, nous on en met. Donc là, on va setup la vedette. Ouais, c'est parfait ça. Ça, c'est parfait pour nous. Là, il se prend la petite vedette. On the curve. Ça permet de pas se faire éclater sur les tsunamis. Même d'avoir un board pas trop mal contre les tsunamis. Prochain tour, on peut faire la bagarre, pièce prima. Ouais, c'est intéressant. Vous voyez, essayez toujours de réfléchir au tour d'après. C'est ce que je dis souvent dans tous les jeux de cartes, dans tous les jeux de réflexion de manière générale. Le X impacte le X plus 1. Le tour dans lequel vous êtes va impacter le tour d'après. Et c'est souvent quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, il faut juste réfléchir à ce qu'on va faire au tour d'après. Là, typiquement, j'avais plein de lignes de play. Alors, le plus évident, c'était de faire ça. Ça, plus 3, je gardais mon truc. Mais en fait, si je me réfléchis au tour d'après, je trouve que ça n'a pas de sens, vous voyez. Bon. Ça, on peut le manger. C'est pas mal, en vrai. Hein. Prima à manger. C'est dur à gérer, hein. Ça me plaît, ça. La mort est agréable. Bon, je pense qu'il est censé perdre. Et chaque game sera différente. Parce que ce deck-là, il peut... En fait, c'est un deck qui... Oh, c'est chiant, ça. Vu qu'il est basé sur la courbe de mana... Bah, avec cette courbe, vous pouvez vous défendre, vous pouvez agresser, vous pouvez setup des létales, vous voyez, vous avez plein de choses à faire.
Bon, ça c'est très très chiant. Oh. Oh, attendez. Il y a un truc à faire avec ça, non ? Allez, tu me le rends, s'il te plaît. Le chiffre marque de la merde. Il est mort là, non ? Ah, c'est que le prochain. C'est que le prochain sort. Bon, il est quand même mort. Hein. Porte aux mains ancienne. Un peu tard. Tsunami. Est-ce qu'il est mort ici ? Il peut mourir si je poche une bonne arme. Là, on a combien de coups de boisson plus un. Eh bon, après, on n'est pas pressé, hein. Mon règne. Peut-être juste on met du board, hein. Alors ça. Ça. J'aurais pu même mettre le maître chien comme ça en flat. Là, je vais avoir la créa hein, qui est protégée. Ah non, non, il la tue pas. Ok. Yogi Yogi. Toujours pas létal. Bah, si ça, ça. Ah non, mais je suis gelé. Après je peux juste Reno hein, si ça m'ennuie hein. Ah, on va pas le. On va pas lui donner de l'espoir qu'il peut gagner. Je crois qu'on va tout de suite Reno. Quand la game est serrée, il faut vraiment réfléchir à votre Reno, parce que si vous faites Reno et que l'adversaire il... vous êtes pas en position de force. Reno c'est vraiment si t'es en position de statu quo, c'est-à-dire t'es bien mais l'adversaire est bien aussi, le Reno fait gagner. Si t'es vraiment derrière. Le Reno te permet de revenir. Mais voilà, c'est parfois, t'es vraiment derrière et c'est mieux de faire une autre AOE. Comme ça, tu repasses peut-être un peu devant. Et là, le Reno, vous voyez, il y a ce système de puissance qui est intéressant à comprendre. Je vais pouvoir attaquer avec mon gars. Sympa, hein. Franchement, c'est le pied, hein. Un deck comme ça. C'est tellement, tellement agréable. J'étais tellement content ce matin, parce que moi j'aime bien présenter des decks top 1 légende, parce que à la fois, en fait, on est dans une méta depuis pas mal de temps, depuis 2 ans en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais un seul deck qui domine, qui ultra domine, et en fait, il y a la place pour tous les decks. Et donc, il y a des méta où présenter le deck top 1 légende, bah en fait, souvent tu vas retomber sur le même, ou des variantes, et puis c'est pas très intéressant. Là, il y a beaucoup de vidéos qui s'appellent le deck du top 1 légende. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs decks de la méta, ça veut juste dire que il y a un gars, avec un deck, sympa, parce que j'essaye de choisir des decks sympas, qui a fait un top 1 légende, c'est-à-dire qui a défoncé tous les gens de son serveur, c'est-à-dire les millions d'autres joueurs, il est le meilleur à un moment donné, sur des millions. C'est beau, hein. Donc ça veut dire que si vous êtes genre diamant, platine, même légende, et que vous voulez performer, bah le deck il a fait top 1 sur des millions, donc vous pouvez. Après c'est des decks très techniques. Enfin c'est contrôle quoi, c'est toujours un peu technique.
Shaman. Je vais garder bouton, je vais garder la peste. Quoique j'ai un T2 avec ça, je vais virer la peste. Mais je vais quand même garder bouton qui est incroyablement fort. Ok. J'aurais été embêté par exemple si j'avais pas eu le T1. Parce que le T1 il me donne un T2. Mais si j'avais pas eu ce T1 là, est-ce que j'aurais gardé bouton? Je prends ça hein, pour trade. Non. Bah le problème c'est que ça me fait piocher, ça me fait déjà piocher, mais en même temps c'est quand même trop cool de piocher. Puis ça peut être un paratonnerre, il peut se sentir obligé d'aller le chercher. Ça me plaît. Aïe. Peut-être on perd là-dessus. Parce que là, il peut curver. Ah, je veux même pas y penser. D'accord, s'il fait la 2-4, on a perdu. Non, on a pas perdu, mais... Ça fait mal. Hein. Ok. On souffle hein, quand on a ça. Peut-être c'est greedy hein, de garder bouton. Hein. Peut-être que c'est quand même greedy. C'est un deck qui pioche tellement, qui fait tellement de value que peut-être c'est un peu greed. Parce que là je me dis, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir le curver quoi. Quoique, il y a quand même un monde où on le fait au prochain tour in tout ça. Parce que ça c'est quand même un board qui doit un peu trade, donc tout dépend ce qu'il a. Mais vous voyez, déjà il y a un token de moins. Ouais, il y a un monde où... Si c'est pas menaçant, je fais bouton. C'est menaçant, mais bon, je peux pas le gérer. Je crois que je vais bouton. Bah, j'overdraw, quoi, mais bon. Ou alors, on développe le board, hein. Fait fromage savoureux. Trade. Peut-être, c'est pas mal, en vrai. DT2. Ouais, je pense que c'est pas mal. Oh, la chance. Ça, c'est pas mal. Une fois que ce serviteur a attaqué, donne plus 1 à un serviteur. C'est vachement bien, ça. C'est une sacrée 2-3. Bon, allez, le meilleur T2. Et là, c'est le meilleur T2. Mais bon, lui, c'est un 2-2 pour 2. Mais là, même si j'ai vu que des 2-2 pour 2, ça, franchement, pour 2 mana, tu mets 3-2-2. C'est pas détrayant. Pour 3 mana, 3-2-2. Même, il n'y a pas de carte druide qui fait ça. C'est pour 3-2-2-2, non ouais. 3-2-2 serait trop fort. Pour 3 mana. Ah non, si pour 3 mana, tu mets 2-2-2. Là, pour 2 mana, on aurait pu avoir 3-2-2. On a mieux que ça, en plus. Hein. Ok, l'hiver impitoyable est... va être particulièrement impitoyable ici. Ça, tap tap, ouais, c'est super. Après, il y a peut-être autre. C'est-à-dire qu'on peut juste faire trade, into décor. On lui laisse de la pioche, mais on développe 2-2-4. Le problème, c'est que... Ouais, quoique, il y a ça. Hein. Trade. Non, c'est bien, c'est bien. Je commence par ça, peut-être, pour prendre l'info. Ça peut rentrer dans une curve. Il y a peut-être maintenant une idée de bâton, non? Bâton, trade... Non. Ouais, vous voyez, ça coûte un mana. L'idée c'est vraiment d'être fluide dans ce que vous allez faire. Et finalement, lui, ça va être la mascotte, hein. Petit bouton, là. Vous voyez, par exemple, pour 6 mana, je peux faire, je sais pas, ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est quand même un deck qui pioche pas mal. Hein. Donc, le mettre des pestes, c'est quand même toujours bien. Ok. Je crois que ça va être la vedette, hein, ici. Trade, vedette. Ah, j'ai peur de la vague de nostalgie, mais... Bon, alors, on se dit vague, c'est pas grave si on a le board.
On trade le board, hein. Ça, ça. Ah non. Ouais, je vais faire la vedette quand même. Hein. 27, il peut pas me tuer. Je mets un gros board pour bloquer sa vague de nostalgie. Et en même temps, c'est un board qu'il doit gérer. Et il peut pas gérer. Enfin, c'est un deck qui a du mal quand même à gérer les boards. Donc là, c'est vraiment le winning play. Je pense qu'il est très emmerdé, hein. Ayant joué le deck, je pense que là, t'es très emmerdé. Bon, il y a quand même le... Il peut faire la OEA 3. Mais bon, la OEA 3, il est obligé de faire trade, trade, trade. Ouais, c'est pas dégueu. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Mais c'est un tour défensif, quoi. Quand contre un deck contrôle, tu fais un tour défensif. C'est là, en général, où tu perds la game. Non, il va booster, plus 2, plus 3, ok. Bon, il fait quand même des trades. Hein. Je vais faire un play très très basique là. Oh, je vais quand même le laisser lui. Comme ça, je set up létal. Évitez de... Alors ça, c'est un truc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous faites ce que vous voulez de toute façon. Mais dans les tours comme ça, qui sont très faciles à faire, où vous avez gagné en fait, vous avez réfléchi suffisamment en amont, dans le mulligan, etc. Et encore que, vous voyez, peut-être que j'ai fait une connerie dans mon mulligan. Bon. Si vous avez des tours faciles à faire, faites-les facilement. Réfléchissez pas trop. Parce qu'en fait, vous prenez de la réflexion, vous prenez du temps de réflexion, de la concentration, pour des choses finalement qui sont futiles, en tout cas à ce moment-là de la game. Alors il n'y a jamais des games 100% gagnées, mais quand même, si. Donc, ok. Donc, ouais, essayez de... Ça, en fait, ça va vous permettre de faire une game de plus, vous voyez? Parce que là, si je réfléchis machin à fond et que je me dis, allez, je vais contrôler et tout, enfin, bah, ça change rien en vrai parce que j'avais le board, mais gagner 15 secondes, 20 secondes par-ci, 20 secondes par-là, vous voyez, sur une session où vous faites 2-3 heures dans le week-end de jeu, bah, peut-être vous allez gagner une game à la fin. Et c'est cool de gagner une game, d'avoir une game de plus, parce qu'on n'a pas de temps infini. Encore moins sur le jeu, vous voyez. Donc voilà, si vraiment il y a des plays faciles, faites-les facilement. Il faut toujours réfléchir derrière, mais faites-vous confiance en fait. Jouez par automatisme. C'est bien de jouer toujours par adaptation, mais c'est important aussi de laisser place à l'automatisme, parce que bah, ça rend le jeu un peu plus fluide, vous voyez. Bref. Enfin voilà, si vous prenez la corde à tous les tours... Je pense que bah, en fait, vous faites peu de game. C'est peut-être pas très agréable sur le long terme, mais pour l'adversaire aussi, finalement. Sur ce, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce deck. Vous voyez, il est sublime. Hein. Franchement, il est incroyable. Hein. Le côté contrôle, et en même temps, il y a une prise de board. Voilà, c'est juste trop bien comme deck. C'est juste trop fort. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.